Le saviez-vous? Le vulgarisateur crypto, Asher, et David Yu se sont rencontrés lors de la convention française. Une rencontre prometteuse dans l'univers de VV. Avez-vous remarqué l'enseigne Pokémon sur la coque du téléphone de David Yu à la convention française? Un petit clin d'œil qui n'a pas échappé à l'œil attentif de la communauté. Saviez-vous que les détenteurs de lapins crétins ont pu recevoir un cadeau au stand Ubisoft lors de la convention française? Une petite attention pour la communauté VV présente à l'événement. Au Japon, les ventes de bandes dessinées électroniques lues sur les smartphones et autres appareils mobiles ont augmenté de 8,9% par an. Avez-vous remarqué la boîte Pikachu dans le décor de David lors de la présentation des bandes électroniques? Un clin d'œil suggérant peut-être quelque chose d'excitant à venir. Découvrez les goodies exclusifs que vous pouviez acquérir lors de la convention française. Des souvenirs uniques pour les collectionneurs VV. Des en-têtes de notation aux couleurs de VV pour son comic physique en partenariat avec Marvel. Une touche unique qu'aucun concurrent Web3 ne possède encore. Le saviez-vous? Des décors à la gloire de The London Police ont orné le stand de VV à la convention française. Le saviez-vous? Des cartes Run English contenant un promo code ont été distribuées lors de la convention française. Le saviez-vous? Des logos VV Gold et Silver ont été distribués en exclusivité lors de la convention française. Un petit souvenir pour les fans. Nouveau logo pour Cavernous, les créateurs du VVverse. Des changements en vue? Top 10 des items les moins respectés par MyCollectables.